I'm going to talk to you this morning about it's not automatic. Aujourd'hui, nous parlons de l'IPA pas automatique. I know you have automatic car. Connais la manuelle de avec vitesse automatique. And what we call here in Mauritius, it's a manual. Et là, nous avons aussi une vitesse manuelle. Okay, of course, automatic vehicle helps a lot. It makes life easier. Et ben l'auto automatique rend la vie plus facile. But in the spiritual world, there is no automatic. Et dans la vie spirituelle, pas d'automatique. You need to have principle. Nous avons besoin de principe. We have decreed this year. Everybody say with me 2019. Nous faisons décret cette année. Tu dis avec moi 2019. Help me, help me, help me. 2019. I am also under the effect of Pirona. Moi aussi, je suis l'effet de Pirona. But please help me. Mais aide-moi, s'il vous plaît. Say 2019. Dis 2019. The year of completeness. L'année d'accomplissement. It's a year of completeness. C'est l'année d'accomplissement. God will complete His dream, vision, promises in your life and your family. Bon, c'est pour accomplir ce bon rêve, ce bon promesse de la vie. But it will not happen automatically. Mais il ne va pas arriver automatiquement. There are things, principles to do. Il y a des principes qui nous suivent. On the 3rd of January, I spoke about how this covenant of completeness was fulfilled in the life of David. Une cause comment l'alliance d'accomplissement finit est accompli de la vie de David. This morning we're going to look at how it happened in Jesus. Et là nous pourrions aujourd'hui comment il est arrivé de la vie de Jésus. In Luke chapter 4 verse 16 to 21. Dans Luc 4 16 à 21. So he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Il se rendit à Nazareth où il y avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. And he was handed the book of the prophet Isaiah. When he had opened the book, he found the place where it was written. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To proclaim the acceptable year of the Lord. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Ensuite, il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. And he began to say to them, today. Everybody say today. Somebody say today. He said, today the scripture is fulfilled in your hearing. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. You know, Isaiah was a great prophet. Isaïe était un grand prophète. And this book of Isaiah was written about 750, around 800 years before Christ. Et le livre d'Isaïe fut écrit à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. Okay, listen to this. Écoute ça bien. So, about 800 years ago. Non, 800 ans avant Jésus-Christ. No, not now, before Christ. Avant Jésus-Christ, 800 ans. There was a prophecy. Isaiah was prophesying concerning the birth, the ministry of Jesus Christ. Isaïe, le prophète Isaïe, prophétise lors la naissance, l'arrivée de Jésus Christ. And this day, when Jesus was reading this book, et le jour que Jésus peut lire ça,
pour son écriture. He said, "Today this is fulfilled." Aujourd'hui, il peut être accompli. Somebody say completeness. Un dimanche d'accomplissement. Somebody say completeness. Un dimanche d'accomplissement. Completeness. Un dimanche d'accomplissement. Completeness. Accomplissement. God never starts something He does not finish. Bon Dieu, jamais il commence quelque chose qu'il n'a pas accompli. God never says something that He does not do. Bon Dieu, jamais il dit quelque chose qu'il ne va pas faire. This is his nature. Ça, c'est sa nature, ça. So very important. Donc très important. Abraham had a promise. Abraham, tu gagnes promesse. At 90 years old. À 90 ans. To have a son. Pour gagner un garçon. It took 10 years, but it was fulfilled. Mais il prend 10 ans, mais ça, il n'a pas accompli. Joseph. Joseph aussi. God gave him a promise. Bon Dieu donne une promesse. To become the prime minister. Pour venir le premier ministre. At the age of 17 years old. À l'âge de 17 ans, il gagne sa promesse. At the age of 30 years old. À l'âge de 30 ans. This dream became true. Sa rêve là, une réalité. It was completed. Il complété, il accompli. It took 13 years. Il prend 15 ans. But God fulfilled that word. Mais bon Dieu accompli sa parole. So can I prophesy over your life? Donc, à prophétiser de la vie. What God has told you. Ce qui bon Dieu fin dit à Dieu. What God has said. Ce qui bon Dieu dit. It will be completed in the name of Jesus. Il va être accompli dans le nom de Jésus. Somebody say amen. Un dit amen. Somebody say amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus started this prophecy in Luke chapter 4. Jésus commence à lire sa prophétie. The Spirit of the Lord is upon me. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Let's read in John chapter 5 verse 19. Regardez dans Jean 5 19 s'il vous plaît. John 5 19. Jean 5 19. Then Jesus answered and said to them, "Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of Himself, but what He sees the Father do. For whatever He does, the Father also does in like manner." Jésus reprit donc la parole et lui a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Please listen to this carefully. Écoute ça très attentivement. This is Jesus, the Son of God, speaking. Ça c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui peut causer. What did He say? Qu'il peut dire? He said the Son can do nothing of Himself. Et de le Fils pas capable de faire non rien par lui-même. I say again, Jesus said. Jésus dit, à mon dieu, the Son can do nothing of Himself. Et de le Fils pas capable de faire non rien par lui-même. Do you know how many times we think we can do it by ourselves? Can you say amen? Can you say amen? And many times et beaucoup fois, we do it by ourselves. Nous faisons pour nous-mêmes. Then we break our nose. Et nous cassons les nez. Then we come back to God. Et nous venons vers Dieu encore une fois. God, where are you? Il dit, bon Dieu, écoute, and God say, I am the same place you left me last time. Il dit, même place que tu as quitté la dernière fois. Do you say amen? Je dis amen. Amen. The Son could not do nothing of Himself. Le Fils pas capable de faire non rien par lui-même. I think this shows us again this total surrender with God and His grace. Et nous trouve cette humiliation totale devant Dieu. Look what He says, number two. Get numéro deux qu'il dit. But what He sees a Father do, He does. Il dit comment il trouve son papa peut faire, il fait pareil. Listen to this. Écoute ça. My daughter, as soon as she started, even before she could even say the first few words, "Mama, Papa." Fille, avant même qu'il commence à dire quelques paroles, "Mama, Papa." Before she could even speak, avant même qu'il commence à causer, she started putting nail varnish. Varnish. Il commence à mettre vernis à ongles. How come? Et qui fait? Comment ça? She has not even started to say "Mama, Papa." Il peut même commencer à dire "Mama, Papa." But she knows how to put varnish. Il connaît comment mettre vernis. And of course, she spilled it on the floor. There is still some stain in some place in the home. Bien sûr, il met ça partout, il fait ça partout la case, la place encore. Why? Qui fait? What she saw the mom doing? C'est qu'il trouve son maman faire. How? By observing carefully. Il fait observer attentivement. She saw it. It was intentional. Then she did it. That's why Jesus do say, Jésus dit, what I see the Father do. Ce qui me trouve, mon papa faire. This means
We must watch carefully and follow God closely. Nous devons guetter attentivement et suivre lui très près. To know what he's doing. Pour connaître qu'il peut faire. To see what he's doing. Pour trouver qu'il peut faire. And that do those things. Et là nous faisons les pareils. Many times a problem is. Beaucoup de fois un problème c'est. We don't follow God closely. Ne pas suivre Dieu très près. Sometimes. Des fois. God is in quatre bornes. Bon Dieu la quatre bornes. Amen. Some people are still in Agalega. Agalega. They are very, very, very far behind God. Très, très loin derrière bon Dieu. Or sometimes, ou bien des fois, we are ahead of God. Ou bien nous finis dépasse bon Dieu nous aller. God is in Katrebon. Now, bon. Let's say God is in Suyak. Bon Dieu dans Suyak. We are in Alaska or down the southern hemisphere. Nous finis dans Alaska ou bien dans. Do you understand that? Est-ce que je comprends ça? But the Bible says the steps of a good man are ordered by God. Il dit un dimanche qui doit rester avec Dieu. Get closer to God. Il doit prier avec Dieu. In prayer, in the Word. Dans la prière, dans la parole. So that we can see, we must watch closely what He is doing. Et là, nous capables veiller attentivement ce qu'il veut faire. And do what the Father do. Et faire ce qu'il le Père veut faire. Can you say Amen? Vous pouvez dire Amen. You know Jesus when He said the Spirit of God was upon me. Et Jésus quand il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. This is a clear vision. Ça, c'est une vision très claire. It's clear objective. C'est un clair, il est très clair. And the objectives were clear. Et l'objectif est clair. Yeah, he never deviate from that. Il n'est pas fini dévier de ça. The Spirit of the Lord is upon me. De l'Esprit du Seigneur est sur moi. Because he has anointed me. À cause de fini loin moi. To preach the gospel. Pour prêcher sa parole. And deliver the captives. Pour délivrer les captifs. Open eyes of the blind. Ou bien pour faire un aveugle trouver. During these 3.5 years. Pendant sa trois ans et demi là. He was just focused on this vision and objective. Il s'est concentré sur sa vision, sur son objectif là. Please understand God. S'il vous plaît, comprends bon Dieu. God does not change like we change clothes. Bon Dieu pas changé comme nous changeons linge. He is yesterday, today, forever the same. L'hier aujourd'hui est tellement pareil. Can you say amen? Nous gardons amen. So we need to know God. Et nous devons connaître mon Dieu. And walk with him hand in hand. Et marcher avec lui la main dans la main. We need to walk with God like this. Nous devons marcher avec mon Dieu comme ça. Hand in hand, God. La main dans la main. What do you want to do, Lord? Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Can you say amen? Nous gardons amen. In John chapter 12, verse 49 and 50. Dans Jean 12, 49 à 50. Okay. For I have not spoken of on my own authority, but the Father who sent me gave me a command what I should say and what I should speak. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Verse 50. Verset 50. And I know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I speak. Et je sais que ce commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dit. These are two very important keys. Ça, c'est la clé très importante. Two important keys. Des la clé très importante. To walk in this covenant of completeness. Pour marcher dans l'alliance d'accomplissement. Number one again. Numéro un encore une fois. He did what he saw the Father do. Il fait ce qu'il fait une trousse au papa. Number faire. Two. Numéro deux. He said, "What I speak is what I heard." Il dit ce qu'il me dit, ce qu'il me fait entendre. So we have to watch God closely. Donc nous devons regarder bon Dieu très près. Carefully. Attentivement. With intentionally. Avec l'intention. And know God and walk in His ways. Et là nous marchons pareil comme bon Dieu marchait. We must listen to God's voice. Et nous devons écouter la parole de Dieu. Every day. Tous les jours. And say what He says. Et nous dire ce que nous finons entendre ni dire. He speak His word. Nous cause sa parole. He speak His blessing. Nous cause sa bénédiction. He speak the promise of God. Nous cause la promesse de Dieu. Can you say Amen? Nous gardons Amen. Again, do you know how many times we say things that does not come from God? Tu connais beaucoup de fois nous dire des affaires qui ne viennent de Dieu. Do you know how many times we say things that God did not speak like that? Tu connais combien de fois nous dire des affaires qui bon Dieu pas cause comme ça? Then we ourselves messed up our life. Et là nous-mêmes nous faisons nous vivre en mal à eux. People of God. Peuple de Dieu. It is a covenant of completeness. C'est une alliance d'accomplissement. God, I prophesy in Jesus' name. Et vous prophétisez dans le nom de Jésus. Will complete
His promise in your life, in your family, in your business. Bon Dieu pour accomplir cette promesse de famille, de business, de la vie. Let us walk in the steps of Jesus Christ. Mais il marche pareil que moi, Jésus de marcher. He himself was a son of God. Lui-même le fils de Dieu. Yet he had to be close with God. Mais il avait une prière avec Dieu. Yet he had to watch what the Father is doing. Il devait guetter que papa l'avait fait. Yet he had to listen what the Father is saying. Il devait écouter qui bon Dieu, yet he walked with the Holy Spirit. He could not do anything by himself. Please lift up our hands, say this prayer, say in the name of Jesus. I cannot do anything of myself. I cannot do anything of myself. I cannot do anything of myself. But Holy Spirit, I surrender to you. Say, I surrender, Holy Spirit. Lead me. Dirige guide moi. Me. Teach me. Enseigne-moi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Speak to me, God. Cause avec moi, Seigneur. I am listening. On peut écouter. So that I can speak what I hear. Afin que je dise ce que j'ai entendu. Amen and amen. Amen et amen. In John chapter 19, verse 30. John 19:30. Jean 19:30. When Jesus had received the sour wine, he said, "It is completed." And bowing his head, he gave up his spirit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, "Tout est accompli." Et baissant la tête, il rendit l'esprit. My Jesus, this is wonderful. Mon Jésus, ça c'est merveilleux. God, I took few examples this morning. Je prends quelques exemples à ce God matin. Completed his promise in Abraham. Bon Dieu, il a accompli God sa promesse. God completed his covenant of completeness in Joseph. Bon Dieu, accompli à cela l'alliance d'accomplissement dans la vie de Joseph. God completed his covenant of completeness in David. Bon Dieu, accompli à cela l'alliance d'accomplissement dans la vie de God David. God completed his covenant of completeness in Jesus. Bon Dieu, accompli à ce l'alliance d'accomplissement de la vie de Jésus. At the end of Jesus' life. À la fin de Jésus la vie. First, at the beginning of his life. Le commencement de cela vie. He said it is fulfilled. Il dit elle finit accomplie. At the end of his life. Et à la fin de cela he vie. He said it is completed, Father. Il dit elle finit complétée, Papa. Do you see that? Et je trouve God ça. God always complete what he started. Bon Dieu est toujours accompli à ce qu'il a commencé. And God will complete his promise bon and his blessing in your life. Et bon Dieu accomplit ses promesses de la vie. Let us close our eyes, please. Laisse-nous fermer les yeux. S'il vous plaît. Now you can close your eyes. Là, nous qu'à fermer les yeux. For a minute. Pour quelques minutes. And pray. Et nous prier. Say, Lord, I pray this morning. Seigneur, vous priez ce matin. I believe in your word. Je crois dans ta parole. 2019 is a blessed year. 2019. I believe in this covenant of completeness. Je crois d'accomplissement. I believe it will complete. Je crois il va accomplir. You will complete everything in my life. Tu vas accomplir tout ce que dans ma vie. You complete your promise. Tu vas accomplir tes promesses. Complete your blessing. Tu vas accomplir tes bénédictions. Complete what you started. Tu vas accomplir ce que tu as commencé. I believe, oh God. Je crois, Seigneur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen.